tous et bienvenue sur les Aéris de demain. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo qui va parler des différences de la composition de la Terre. Donc en fait, qu'est-ce que la boue fait et qu'est-ce que ça peut apporter de pas la boue à rien en fait. On va plus être sur ce sujet là avec la vie des vers de terre. Donc déjà pour commencer, je vais parler du labour. Alors comme vous pouvez le voir, la terre est très claire en fait dans les labours. Ça en fait c'est dû à cause de l'érosion, en fait c'est l'eau. Ça va embarquer toute la qualité de terre en fait sur son passage. Ça va tout redescendre dans la vallée et il ne va plus y avoir de bonne qualité de terre, on va dire. Ce qui peut y avoir comme problème aussi à cause du labour, c'est aussi les vers de terre. Le fait de labourer va tuer les vers de terre et va casser la composition de la terre. Et aussi labourer va créer une semaine de labour qui va être un peu embêtant. Ça, ça va devenir de la matière organique. Hop, tac, ça va par terre, ça se décompose. Et en fait, les vers de terre, ils viennent au-dessus de la terre prendre la matière organique et rejeter un peu de terre qui vient du sous-sol. Et le vers de terre va tout mélanger. Je vous expliquerai ça dans le nom labour avec de la matière organique en haut. Hop, je peux donner un coup de bêche. Hop, on va voir que la terre en fait n'est pas très belle. Hop, vous voyez, on voit pas de matière organique en fait qui est mélangée dans le sol. On voit pas de mélange de terre, différentes couleurs de terre en fait. Et après, la terre est meuble quand même quoi. C'est ce que peut apporter de la boue. Ça permet d'enlever un peu les adventices aussi. C'est ça qui peut être un avantage dans le labour. Après, je prends pas partie du labour ni d'autres techniques qu'on peut trouver. Vous pouvez voir aussi, je peux casser. Je peux enlever un morceau. Les racines, elles ont du mal. Il n'y a pas grandement de racines. Et surtout, on voit pas de traces visibles de vers de terre. On voit pas de vers de terre. Donc très peu de vers de terre en fait là-dedans. Les seules petites traces qu'on peut trouver à la limite des vers de terre, c'est ça. C'est leur déjection. Donc ça s'appelle des tuacules. Hop. Donc là on voit, c'est un peu comment dire, bleu. Donc c'est à mon avis des restes de qu'ils ont mangé de papeterie qu'on met dans les champs. Donc là on voit aussi, il y a l'entrée du vers de terre, il y a le trou. Et en fait on en trouve vraiment très peu. Bon là on en revoit encore un peu là. Et d'ici. Un peu de matière organique là, vous voyez, bon déjà ça se décompose en fait un peu. Donc là vous voyez, ça se décompose un peu. C'est noir, bon ça peut on dirait un peu comme de la fusariose ou autre. Et on voit pas vraiment, normalement ça devrait être blanc un peu. Donc pour voir du mycélium ou quoi, donc en gros les champignons, pour aider à la décomposition. Et en fait aussi ce qu'on peut voir, c'est que du coup à cause de l'érosion, la terre est vachement affinée sur le dessus. C'est pour ça que ça ruisselle, ça fait une croûte en fait. Alors là du coup on se retrouve chez moi. Je vais vous présenter une petite expérience que j'ai fait. Vous allez voir, c'est en rapport avec le non labour. Vous allez voir, c'est pas trop mal. Alors j'ai commencé cette expérience il y a environ 6-7 mois. Et puis du coup vous allez pouvoir regarder ça. Alors du coup ça, vu que ça fait 6-7 mois à peu près que j'ai préparé le terrain, j'ai pas vraiment, enfin en fait pour vous expliquer, j'ai pas vraiment retourné la terre en fait. J'ai mis une couche dessus de matière organique. En fait j'avais stocké la pelouse, j'avais tassé tout ça. Ça a commencé à se décomposer. Donc ensuite c'était déjà à moitié terminé de décomposer, c'était déjà très noir. J'ai mélangé ça vite fait avec un peu de terre et de la paille que j'avais de la récolte. Après ça, sur les 4 mètres carrés que je vais vous montrer après, je les ai épandus sur une couche d'environ 5 cm à peu près, ça fait ça, c'est déjà pas trop mal, même un peu moins je dirais. Et du coup, depuis ces 6-7 mois, les vers de terre ont travaillé tout seul. On va pouvoir regarder ce que ça donne comme résultat. Déjà, ce qu'on peut voir par rapport à une terre qui a été laissée avec de la matière végétale, c'est que la terre est en fait, et comment dire, n'est pas lissée, et il n'y a pas de croûte comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais vous montrer à côté. Il y a un petit endroit où c'est que j'ai affiné la terre, un peu comme dans les champs. De base c'était pour les semis. Et en fait, vous voyez, hop, il y a tout qui comment dire, s'est aplani. Bon, on retrouve les tuacules, hein.
Là, il y en a vraiment partout parce que évidemment les vers de terre qui sont là, ils viennent là. Et puis en fait, ça marche pareil dans les champs. Donc regardez, en fait, là, vous voyez, c'est plus noir qu'à côté. C'est la terre, la bonne terre qui, par l'érosion, a amené là, dans les trous. Ça marche pareil en fait. Ça, là, c'est parce qu'il y a des trous, parce que les chats, ils ont marché dedans. Du coup, ça va dedans. Et en fait, c'est comme si que ça a dévalé la vallée et que ça allait en bas dans la rivière. Donc là, vous voyez, franchement, là, la terre est belle. C'est vraiment bien. Vous voyez, c'est mélangé en fait. C'est, on peut trouver tout. Il y a des restes de débris végétaux. Il y a, là, la feuille, c'est noir. C'est, je vais vous montrer ça. Je vais donner un coup dedans. Donc, hop. Bon, la terre est compacte quand même parce que, en fait, vu que j'ai pas la retournée. Bah la terre n'est pas meuble. Mais après, sur le dessus, c'est vachement mou. La terre se dégrade facilement. Et regardez, la terre est vachement plus belle que sur l'autre parcelle. Hop. Vous voyez, tout est en fait vachement mélangé. Tout, vous voyez, il y a plein de racines, plein de petits trucs. Il y a des petits micro-organismes, il y a tout. Moi, ouais, les vers de terre sont pas trop là en ce moment, c'est normal. Là, d'habitude je retourne en 2 secondes, t'as des vers de terre. Ouais, c'est mélangé. C'est en fait, ça a été dégradé. On voit, regardez, il y a un vers de terre là. Hop. Il y en a plein partout, genre ah, là encore un. Là, on peut en trouver vraiment partout. Ça qui est bien avec ça, depuis les vers de terre, depuis que je suis arrivé, il y en a beaucoup plus. Et c'est vachement bien. Et cette structure de terre, en fait, c'est plein. Parce que là, regardez, c'est encore des, c'est que des turricules en fait, qui sont assemblés à moitié. C'est la terre est affinée en fait grâce à ça. Bon, je vais refermer pour laisser le monde tranquille. Et en fait, il n'y a pas que les vers de terre qui travaillent. Déjà, les vers de terre font une grande partie du travail, ils mélangent la terre, ils décompactent, ils font en fait des galeries où les racines justement des plantes peuvent passer à l'intérieur, ce qui va leur permettre en fait d'aller puiser l'eau plus profondément dans le sol, ça qui est pas mal. Il y a aussi les bactéries qui dégradent la matière et tout ça. Donc les bactéries c'est plus principalement dans le sol. Et en fait, il y a aussi surtout les champignons, donc le mycélium qui va dégrader ce qu'on appelle la lignine en fait. C'est entre guillemets, on va dire, du bois. Les bouts de bois, vous pouvez les regarder, il n'y a que des champignons qui peuvent dégrader. Et en fait, sous la terre, il n'y a pas de mycélium ni de champignons de tout ça, quoi. Et du coup, en fait, le fait d'enterrer dessous, en fait, ça se dégrade pas terrible et c'est pas super parce qu'en plus, les vers de terre ne vont pas prendre le sol. Enfin, ils vont prendre de la terre, tout ça dans le sol. Mais ils viennent chercher la matière organique principalement en haut, c'est ça le problème. Parce que si c'est en bas, du coup, ils ne prennent pas. Et puis, du coup, ce ne sera pas assimilé par les plantes, on va dire. Pour ça qu'aussi, c'est important, c'est pas mal de laisser par au-dessus. Il y a différentes techniques qui existent pour semer directement. Donc, il y a le semoir à semer direct, qui est vraiment pas mal. En fait, il n'y a pas besoin de labourer, parce que le semoir pèse tellement lourd, et que c'est des disques hyper fins, que le poids est vraiment à fond et appuie vraiment sur le sol. Et comme ça fait une ligne où les graines tombent dedans. Et puis c'est semé. Donc, bien évidemment il y a des râpis pour qu'il y ait un contact sol-graine. Il y a aussi un truc que je trouve vraiment pas mal. C'est le rouleau FACA avec un semoir direct. Donc on peut semer directement dans le couvert. Parce que c'est des disques comme je l'ai dit. Parce que en fait le rouleau FACA, ça va être un gros rouleau avec des lignes de métal de 10 cm à peu près, qui vont pas mélanger le sol, qui vont pas toucher à la terre. Et en fait, ça va juste aplatir les couverts. Donc c'est pas mal d'avoir un couvert bien haut et développé avec pas mal de biomasse. Et en fait, ça va aplatir tout ça par le sol. Ça va, comment dire, ça, je trouve une plante. Ça va casser dans tous les sens. Et du coup, il n'y a plus de sève qui va circuler et tout ça, où ça va s'écouler dehors. Et du coup, la plante meurt. Et en fait, le truc qui est bien avec ça, c'est que ça fait un couvert sur le sol, donc ça limite les adventices, donc les mauvaises herbes.
Ça qui est un bon avantage, ça limite bien évidemment pour ceux qui sont contre le glyphosate, donc le glyphosate. En plus de ça, de que ça limite les adventices, bah ça fait un peu, ça fait moins d'engrais à apporter, vu que le couvert à porter, en général, on fait un couvert qui apporte des nutriments dans le sol, naturellement. Et puis ça fait de la matière organique qui va être dégradée par les vers de terre, les champignons, les bactéries qui sont sur le dessus. Donc quoi de mieux? Voilà. Après le labour, c'est sûr que c'est pas mal, ça permet de faire un bon lit de semences, tout ça. Mais bon, ça c'est plus utile pour les semoirs à pic, quoi, que j'appelle ça comme ça. C'est les semoirs en fait qui n'ont pas de disques, qui sont à bec plutôt. Où là, on a bien évidemment besoin d'un sol bien affiné et propre pour le semis. Donc voilà. Donc voilà, sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je vous dis à la prochaine sur les agris de demain. Allez, ciao !